Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous présenter un haul action. Donc, comme chaque début de mois, en fait, j'y vais. Je me dis, j'y vais qu'une seule fois par mois. Comme ça, moi, je suis tranquille. Je ne dépense pas trop là-bas. Parce que, franchement, heureusement qu'il est à une demi-heure, ouais, 20 minutes, une demi-heure de chez moi. Heureusement que j'en ai pas un juste à côté. Parce que sinon, mon compte bancaire, il aurait un peu mal. Donc, quand j'y vais, je fais quand même une bonne réserve de pas mal de choses. Là, j'y allais pour trouver des roses, etc. pour faire une tasse en gravité. Donc, je sais pas si. Vous voyez de quoi je parle? J'étais déçue en fait, j'ai trouvé juste un seul paquet de roses. J'étais dégoûtée, du coup j'ai pris d'autres choses. Il va falloir peut-être que j'y retourne du coup quand il y aura des roses. Je sais pas si je vais attendre le début de mois de décembre ou si je vais réussir à faire quelque chose. J'ai acheté quand même pas mal de choses pour faire beaucoup de petites décos, etc. Donc c'est à voir. Enfin bref, on va commencer tout de suite avec la nourriture, comme ça on va garder le meilleur pour la fin. Il y a pas mal de nouveautés aussi en nourriture, j'ai trouvé ça super en fait. En premier j'ai pris, bon c'est écrit pâte à fruits à tartiner fraises. Clairement c'est de la confiture de fraises bio. Je l'ai vraiment pas payé cher. La confiture bio en magasin, elle est à peu près à 3-4 euros, ça dépend. Donc j'en achète assez rarement de la bio. Celle-là, je l'ai vue, je me suis dit, je vais la prendre. Il y avait aussi à l'abricot. Donc il y avait que ces deux-là, fraises, abricot. Abricot, j'aime pas trop, donc j'ai pris fraises. Donc ça, c'est vraiment super. Et à côté, il y avait beurre de noix mélangé. Donc c'est pareil, ça ressemble à du beurre de cacahuète. Moi, j'adore le beurre de cacahuète. Je me suis dit, je vais essayer. En plus, bah pareil, c'est bio. Donc ouais, il y a écrit peanut amande, il n'y a pas écrit en français. Non, 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 si, beurre de noix mélangé. Donc il y a arachide, noix de cajou, amande, noisette. Tout ça c'est bio, donc franchement c'est super. Je vais essayer, je vous en dirai des nouvelles. Alors ça, je les avais jamais vus auparavant, mais je les avais vus dans certaines vidéos. À chaque fois j'étais dégoûtée, je me suis dit mais pourquoi moi il n'y en a pas dans mon action là. J'ai vu, j'ai dit je vais en prendre deux. On va goûter, c'est pareil, c'est pour le prix, c'est vraiment pas cher, on peut mettre ça... dans son chocolat ou je sais pas, moi j'aimerais bien tester dans mon café parce que je suis pas trop chocolat chaud. Après dessus il y a vraiment indiqué que ça se met avec du lait et en fait ça fait un chocolat au lait. Mais on peut peut-être tricher, hein, je sais pas, c'est à voir. En tout cas pour l'hiver qui arrive c'est vraiment top. Ensuite, bah comme d'habitude, hein, l'hiver arrive, il fait froid. Je me suis dit je vais tester, je vais prendre que des choses que j'avais jamais pris auparavant. Et je vous avais montré dans le dernier haul, j'avais pris des tablettes. Donc il y a les Galak au chocolat blanc, celle-là je les reprendrai, là ils n'y étaient pas. Par contre j'ai pris celle au Smarties, donc il y avait la marque Milka et une autre marque. Celle-ci je ne les reprendrai pas, franchement c'est pas bon, après ça dépend des goûts, mais moi j'ai pas aimé. Donc là j'ai pris Milka, au moins c'est une valeur sûre Milka je pense. Hein. Il y en a 6 dedans, j'ai pas encore ouvert, je vous dirai à la prochaine vidéo en fait ce que j'en pense. Et ceux-là aussi, bon, ceux-là on les connaît un peu, mais la marque Milka, donc ça doit être aussi bon. Voilà, donc j'ai pris ces deux-là de la marque Milka. Et en sucré aussi, j'ai pris. Désolée, il y a du bruit, hein. Je débarrasse un petit peu. Je les ai vus, je me suis dit pour le prix, je vais pas me casser la tête en fait à en faire maison alors qu'il y en a là, là. Après, c'est sûr que j'en ferai maison cet hiver, mais en plus c'est tout mignon, c'est tout joli. Donc j'en ai pris deux, il y avait ceux-là. Voilà, on est au mois de novembre, ils sortent déjà les trucs de Noël, c'est plutôt sympa, ouais, on peut prendre de l'avance. Les cochonneries, on a pris After Eight, hein, parce que ça aussi c'est pas mal avec un petit café de temps en temps. Après, il y en a beaucoup qui n'aiment pas, moi j'aime bien. Et le dernier produit nourriture, c'est des Hot Crackers, ça donne trop envie. Alors après, je pense que là, clairement, de toute façon, c'est pas bio, mais bon... On va tester, c'est pareil, je vous en dirai des nouvelles. Alors je compte faire une vidéo. Je sais pas si je vais la faire fin décembre, je pense, sur tous les tops et les flops de chez Action. Clairement, des flops, il va pas y en avoir énormément. Il y aura plus, vraiment, il y aura plus beaucoup de tops, quoi. Parce que des flops, à part les bougies à LED que je vous ai parlé dans l'autre vidéo. Donc tout ce que j'achète chez Action, je suis jamais déçue. Alors là, tiens, hop, j'ai un truc à vous présenter. Je sais pas si je vais être déçue ou pas. C'est pareil, je les voyais à chaque fois, je me dis je les prends pas, je sais pas. Pour le prix, c'est... Franchement, je sais pas du tout. Alors il y a le masque à... Ils peuvent pas écrire en français, ils sont pas drôles. Hein. Il faut que... masque à la boue. Ouais, masque à la boue, mais... enfin, il y en a deux. Les deux c'est à la boue. Et ceux-là aussi c'est à la boue. Là il y a masque peel-off aux fruits de la passion. Mais ils mettent pas le deuxième, c'est quoi en fait? Je comprends pas. On peut m'expliquer s'il vous plaît?
Passion, et ça, c'est citron. Ah, en fait, ils mettent le truc juste pour le premier et le deuxième, tu te débrouilles, tu devines, en fait, c'est ça. Bref, un masque, un masque, un masque, un masque. Il y a quatre masques dedans pour le prix. Je me suis dit, je vais tester. Je vais sûrement faire ce soir ou demain, je sais pas du tout. De toute façon, c'est pareil, il y a des choses quand même que je mettrais dans les tops et flops. Même si j'aime pas trop ou je trouve pas ça super utile, ouais, je vais quand même les mettre dans cette vidéo, c'est sûr, parce que moi je me pose beaucoup de questions sur ces masques-là, surtout que j'ai une peau compliquée avec les masques, donc je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, on va passer au manuel et à la déco. Alors pour le manuel, j'ai acheté des pinceaux, parce que je les avais donnés la dernière fois, mes pinceaux, et j'ai vite regretté. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi je les ai donnés? J'aurais dû les garder. Donc pour le prix, ça vaut vraiment le coup, des petits pinceaux, c'est pas cher. Ensuite, j'ai pris un petit ruban, donc c'est pas du washi tape, hein. Enfin si, c'en est, mais je sais pas, il n'y a pas écrit washi tape, si, c'en est. Ruban autocollant 100% coton, ouais, il y en a quand même pas mal, il y a 3,50 m, donc il y a de quoi faire, plus pour les papiers cadeaux, ou je sais pas encore, mais ouais, je l'ai vu, je me suis dit, je vais le prendre, parce qu'il y a les petits lots de 3, mais il n'y en a pas beaucoup dedans. Celui-là, 3,50 m, je suis tranquille. J'ai repris du scotch double face parce que franchement, c'est une tuerie ce scotch-là. On scotche plein de trucs avec, ça tient super bien. Pour le prix, c'est pareil, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, j'ai pris des petites LED. Donc, j'ai pris deux boîtes. Je sais pas où elle est, l'autre. Hein, je sais pas où elle est. Bref, j'en ai mis dans ma lanterne. Ça fait super beau. C'est pas des petites LED comme il y a derrière là, sur mon lit là. Celle-là, je les avais achetées à Primark. Celle-là, en fait, c'est couleur argent. C'est pas couleur dorée. Et franchement, la couleur argentée pour cet hiver, c'est vraiment super joli. Voilà. Donc, j'en avais acheté la dernière fois. Là, j'en ai racheté deux. Je fais une petite réserve. Bah, je pense que ça va tenir. On verra bien. Bonne question. Il y a trop de trucs. Il y en a en bas, il y en a en haut. On va rester dans les activités manuelles, enfin dans les activités. On va rester. Il y a trop de trucs, il y a trop de trucs. Il y en a devant, il y en a en bas, il y en a à droite, il y en a à gauche. J'ai repris des glue sticks, des bâtons de colle pour le pistolet à colle, tout simplement. Alors moi, je suis un peu dégoûtée parce qu'avant, ils vendaient les transparents, maintenant, ils vendent les jaunes. Ouais, c'est dommage parce que transparent, ça se voyait vraiment pas. Mais alors jaune, quand ça sort, c'est pas. Mais bon, c'est pas grave. Pour le prix, ça vaut vraiment le coup. En plus, c'est top. J'ai pris également des marqueurs permanents. Donc ça c'est pour écrire sur les tasses, les assiettes, etc. Je voudrais faire une petite déco avec. Je vous montrerai tout ça de toute façon. J'espère que ça va fonctionner, c'est pareil pour le prix. Ensuite, on continue. Alors là, c'était 89 centimes, je crois, les petites boîtes. Donc c'était pour faire ma tasse en gravité en fait. Il m'aura manqué des roses. Donc je sais pas si je vais faire avec tout ça ou si je vais faire autre chose. Ouais, il y avait plusieurs. Moi j'ai pris dans les tons argentés. Et blanc, il y avait d'autres, il y avait cuivré, or. Bon, après, pour le prix, c'est vrai que ça monte vite quand on en prend plusieurs. Voilà, donc je sais pas trop si je vais utiliser pour la tasse ou pas. Et voilà. Donc les fameuses roses, super, j'en ai 9. Donc il m'en aurait fallu plus, mais après, j'ai d'autres roses que j'avais achetées il y a très très longtemps sur Amazon, que j'ai toujours gardées. À chaque fois, je me dis, je vais les jeter, heureusement, je les ai pas jetées. Donc je sais pas, de toute façon, je vais vous faire une vidéo sur la tasse. Gravité, c'est sûr, parce que j'aime vraiment filmer ces choses-là et c'est plutôt cool. Voilà, ensuite, du coup, comme il n'y avait que ça, je me suis dit peut-être que des pétales de rose, ça peut aussi faire son affaire. Je sais pas, après, pour la Saint-Valentin, ça peut toujours servir. J'ai pris aussi de la fausse neige. J'en avais acheté aussi l'année dernière pour le prix, ça vaut vraiment le coup pour mettre dans les lanternes, dans des plateaux, etc. L'année dernière, j'avais pris deux paquets, j'en avais utilisé qu'un, mais juste avant, j'ai perdu l'autre. Là, j'en ai racheté qu'un seul, je me suis dit, je vais pas faire l'erreur. Ça vaut vraiment le coup aussi. Alors, par contre, faut faire attention parce que ça en met clairement partout. C'est pailleté et tout, faut faire attention. Hein. Si vous avez des enfants, ne leur laissez pas dans la main. Ensuite, j'ai pris. Ah, ils sont là, les LED. Hop, j'ai pris. Des plumes de bois. Donc je sais pas, je pense qu'il y en a certaines qui ont vu la vidéo quand même sur la lampe plume qui est derrière là. Je l'éteins parce que sinon c'est pas joli. Bref, donc j'en avais acheté 3 en fait quand j'ai fait la guirlande de plumes. Oui, j'ai triché en fait, j'ai été à Action il y a quelques semaines. J'ai été. J'avais pas acheté grand chose, donc c'est pour ça que je vous avais pas fait de vidéo d'ailleurs. Bref, j'en avais acheté 3. J'en ai utilisé qu'une seule pour la lampe. Donc là, je pense que soit ça va aller dans le sapin, soit sur un petit plateau, je sais pas, je vais voir, je vais réfléchir. Et pareil, je vous montrerai ça. J'ai acheté trop de choses là.
trop de trucs. Après, il faut tout ranger. J'ai acheté ensuite un... Alors, ils appellent ça un chemin de table. Je ne l'ai pas déroulé. Je sais pas, je pense pas que je vais m'en servir en chemin de table. Ça va être plutôt aussi pour de la déco. Voilà, donc il y avait en couleur comme ça et couleur en bois. J'ai pris celui-ci. La prochaine fois, je prendrai peut-être celui en bois. Je sais pas, on verra. J'ai pris ensuite... Il reste plus grand-chose. Je vais vous montrer la bougie. Comme ça, au moins, c'est fait. Parce que depuis tout à l'heure, elle est allumée. Donc, j'ai pris cette... Enfin, non, cette bougie. J'ai pris ce photophore. Parce que j'ai un maladroit qui vit avec moi et qui me casse beaucoup de photophores. Du coup, j'ai vu celui-ci. C'était le dernier. Je me suis dit, franchement, il est trop beau. Il est couleur argentée. Il y a une petite plume dessus. Il est trop joli. Moi, j'aime trop. Voilà. Et puis, c'est pareil pour le prix. Si on aurait deux, clairement, j'aurais pris les deux. Hein. Il n'y en avait qu'un seul. Bon, c'est pas grave. Dans le même style. Enfin, dans le même style. J'ai pris... c'est un petit sapin, en fait. Il y a deux sortes. Moi, j'ai pris celui-ci. Donc... Là, je vous le montre dans l'emballage si vous voulez l'acheter ou je sais pas. Hein. Au moins, vous reconnaîtrez. Mais je l'ai déjà ouvert. J'ai déjà testé voir s'il fonctionnait. Ou il fonctionne. Alors, pour le prix, ça vaut aussi son prix. Hein. Clairement, c'est pas très très solide. On met deux petites piles dedans. N'oubliez pas d'acheter des piles. Ne faites pas comme moi. Et voilà. Et maintenant, elle veut rentrer. Bon, la qualité n'est vraiment pas terrible. Il y a quelques petits endroits où ça se décroche un peu, mais bon, après ça c'est pas grave, un petit coup de colle et puis voilà. Donc je trouve super joli. Là, la caméra, je sais pas comment ça va rendre. Bah, je pense que ça va rendre clairement pareil. Donc tout ça en petite déco, vivement Noël quoi. Hein. Donc je peux l'éteindre. Hein. Hop, voilà, je vais pouvoir l'installer aussi. Moi, j'installe pas de déco de Noël maintenant, clairement, je vais attendre début décembre. Là, je vais juste préparer un petit peu, essayer de faire des petits cadeaux, préparer des petits cadeaux. Là, je vois que j'avais oublié des petites caissettes, des moules à gâteaux, en fait, pour faire des muffins, des petits cakes salés, je sais pas, pareil, pour le prix. Je me suis dit, je vais les prendre, dommage qu'il n'y ait pas d'autres motifs, mais j'ai pris ceux-là. Il y a trop de choses. Ensuite, j'ai pris, c'est bon, il reste plus rien, il reste trois trucs. J'ai pris... du papier cadeau, comme ça au moins je suis tranquille si j'ai déjà des cadeaux. En plus il est trop joli celui-là, j'aime trop. Voilà, il est comme ça. J'en ai pris qu'un seul, j'ai pas un milliard de cadeaux, donc j'ai pris celui-ci, pareil pour le prix, c'est pas trop cher. Ensuite j'ai pris, je l'ai vu, je me suis dit il faut que je le prenne. Ça fait super longtemps qu'ils en vendaient beaucoup avant. Qu'est-ce qu'il y a, Méo? Vas-y, tu veux qu'on t'entende, tu veux qu'on te voie? Viens, viens, tu viens, tu veux qu'on te voie? Méo? Non, tu veux qu'on te voie ou pas? Viens mon bébé, viens mon bébé, viens ici. Donc Kitty voulait qu'on la voie, donc on la voit. Fais coco, hein, voilà, la relou. La relou, elle, t'es relou. T'es une relou, c'est une relou. Bref, j'en étais à ces pots là. Je sais même plus où j'en étais. Hein. Donc ces pots, j'ai pris ce pot là. À un moment ils en faisaient beaucoup. En fait je pense que c'était dans les débuts où j'allais à Action. J'en achetais pas spécialement, j'en avais pas besoin en fait. Parce que j'étais encore chez moi, j'avais pas mon chez moi. Donc pour dans la chambre et tout, je me dis non ça sert à rien. Et là maintenant... là maintenant ça va servir, je l'ai acheté, je l'ai vu, je me dis je vais le repeindre en blanc. Et en fait quand je l'ai revu, mais elle est relou. Mais t'es relou. Bah oui elle est relou. Bref, elle veut pas que je vous présente le pot en fait, je vais lui mettre ses croquettes dedans. Je voulais le repeindre en blanc et en fait quand je le vois maintenant, je me suis dit je vais le garder tel qu'il est en fait, il est joli. Peut-être faire une écriture justement avec le marqueur permanent. Donc je sais pas ce que je vais mettre dessus. Ensuite, dernier achat, donc j'y avais été à la base spécialement pour ça. Donc là, ce coupe avec la tasse, c'est pareil pour le prix, c'est pas super cher. Moi, clairement, je vais pas m'en servir pour ça. Je vais m'en servir pour faire la tasse en gravité. Il y avait pas énormément de choix non plus. En fait, à l'heure où j'y étais, j'ai regretté. Je me suis dit, il faut vraiment que j'y aille plus tôt. Et donc, voilà, c'est terminé. Normalement, il n'y a plus rien. Ouais, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, j'ai pas acheté de produits ménagers, etc. Non, j'y allais vraiment pas pour ça. En plus, il n'y avait plus rien. J'étais un peu dégoûtée. Je me suis dit, ouais, ok, d'accord, tu vas. Tu te retrouves avec des choses que tu voulais pas spécialement acheter. Merci Action, comme d'habitude. Je voulais aussi vous parler des groupes Facebook et Instagram. Donc ces groupes-là, je vous les mettrai en barre d'infos. Franchement, si vous n'y êtes pas dessus, si vous connaissez pas, allez faire un tour au moins. Vous allez voir tout ça. Il y a beaucoup de décorations, il y a beaucoup de conseils, d'avis, etc. Les filles sont vraiment top. En fait, on partage tout ensemble. Il y a beaucoup de... Bah, les réponses, en fait, c'est super rapide. Vous pouvez poser une question à Minnie. Vous êtes sûr qu'il y aura une abonnée qui va vous répondre pour n'importe quelle chose. Donc je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Franchement, allez faire un tour. C'est vraiment top. Il y a vraiment de belles choses à découvrir.